Les plumes sont très importantes dans le cabaret. Un show sans strass, sans plumes, sans paillettes, eh ben, c'est plus du tout du show. Il faut amener de la plume parce que c'est vivant, parce que ça bouge bien, parce que voilà, ça recrée une atmosphère. Bonjour, je m'appelle Edith Février et je suis responsable de l'atelier Maison Février. Maison Février existe depuis 1929. C'était surtout pour faire des coiffes, des parures. Ensuite, la maison s'est spécialisée dans le costume du music hall. Nous avons travaillé pour, on va essayer de remonter Joséphine Baker, Zizi Jeanmaire, toutes ces grandes dames-là. On n'a fait que progresser jusqu'à présent. Les plumassiers amènent par leur amour de la plume, apportent de la vie au costume. Tout est fait à la main. On utilise toujours les mêmes outils d'il y a des années. Quand il y a une coiffe avec 300 plumes de découpées sur 30 danseuses, ça fait énormément de travail de préparation. Toutes nos plumes proviennent d'élevage d'oiseaux pour les plumes. On ne tue pas les oiseaux pour obtenir leurs plumes. On ne doit utiliser pour la création de nos costumes que des plumes reconnues comme l'autruche, le faisan, le coq, l'oie, la pintade. Et c'est important de garder ce métier bien français et tellement rare. Donc c'est très utile, voilà, qu'on puisse conserver notre savoir-faire et le transmettre de génération en génération. De voir nos créations sur scène, bah, c'est toujours un plaisir. C'est merveilleux, c'est magnifique. Une fois que la danseuse le porte, chaque plumassière est contente de voir son travail finalisé et mis en valeur par la danseuse. Et c'est la récompense, voilà, de tout ce travail en amont, de ces mois et ces mois de préparation de costumes. C'est la beauté même.